Aïe! Tenez, oh merci. Aïe! Oh pardon. Je suis vraiment désolé. Ce n'est rien. Bonne journée. Ah, bonjour. Bonjour. Ça va? Oui, merci. Et salut David. Salut. Dis donc, ce n'est pas un logement d'étudiants ici. C'est grand chez toi. Tu ne déménages pas finalement? Heureusement, Sandrine a décidé de rester. Oui, je suis bien dans cet appartement. Seulement, les loyers sont très chers au centre-ville. Oui, malheureusement. Tu as combien de pièces? Il y a 3 pièces. Le salon, la salle à manger, ma chambre. Bien sûr, il y a une cuisine et j'ai aussi une grande salle de bain. Je te fais visiter? Oui, merci. Voici la salle à manger. Ça, c'est une pièce très importante pour nous les invités. Et puis, la cuisine? Une pièce très importante pour Sandrine. Évidemment. Et voici ma chambre. Elle est belle! Oui, j'aime le vert. Dis, c'est vrai Sandrine, ta salle de bain est vraiment grande. Oui, et elle a un beau miroir au-dessus du lavabo. Et une baignoire. Chez nous, on a seulement une douche. Moi, je préfère les douches en fait. Allô? Comparé à cet appartement, le nôtre, c'est une cave. Pas de décoration, juste des affiches, un canapé, des étagères et mon bureau. C'est vrai, on n'a même pas de rideau. Mais Pascal, je pensais que tu avais du travail. Quoi? Tu es où? Ici? À Aix? Tu es ici? Maintenant? C'est une blague. Mais, ma chérie, ne sois pas fâchée. C'était une surprise. Une surprise? Nous deux, c'est fini. D'abord, tu me dis que les vacances avec moi, c'est impossible. Et ensuite, tu arrives à Aix sans me téléphoner? Bon, si c'est comme ça, reste où tu es. Ne descends pas. Moi, je m'en vais. Voilà tes fleurs. Tu parles d'une surprise, hein?